Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti et on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On avait Stanley et Astrid qui voulaient nous parler et on allait du coup voir ce qu'ils voulaient nous dire. Stanley. Oui, si, c'est Stanley là. J'ai hésité avec Gustave, mais si, c'est bien ça. Oh oh! Bah, je peux pas lui parler. Ah si, il a ouvert. Hé Stella, qu'est-ce que tu penses d'eux? Tu sais, les ombres de poussière sur le bateau. Je veux dire, elles ont drôle de look, mais elles sont si lugubres tout le temps. Et une fois qu'elles sont là, elles collent à toi comme une vieille gomme à la mâchée et te laissent jamais vraiment seule. Elles me dérangent, tu sais. J'aimerais qu'elles partent. Elles rendent tout le monde triste. Quoi? Tu ne les as jamais vues? Ah non, je confirme, on les a jamais vues. Hein. Ah, c'est étrange. Oh, je sais. Jacob peut t'aider. Il peut les voir, lui aussi. Il y a un scarabée fantôme, après tout. Et tu peux l'amener avec toi. Il aime quand on le sort de sa boîte. Tu n'as qu'à toucher la vitre et il va sortir pour t'accompagner. Et alors, tu pourras les voir, toi aussi. Mais tu devras les attraper pour les faire partir. Attention, par contre, elles sont super rapides. Enfile tes chaussures de course. Eh, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, tout ça. Pitchounette, je suis si fatiguée. Si vieille, je ne peux plus. Je ne peux plus continuer. Je ne peux plus aller plus loin. Me feras-tu une faveur? Amène-moi là, mon cœur. Amène-moi là où ça se termine. Oh. Alors, on a de la nourriture. C'est parfait. Oui, bah forcément, hein. Du gras et du poisson. Ça donne des bâtonnets de poisson. Et j'ai essayé de faire des bâtonnets de crevettes. De homard, de palourdes. Qu'est-ce que je peux faire? De céphalopodes. J'en ai d'autres des céphalopodes. Oh, ça va me faire du calamar frit ou un truc du genre. J'en ai déjà ça, du calamar frit. Donc il fait trop noir pour naviguer, bah, tant pis pour nous. Un petit peu déçu, hein. On n'a pas trouvé ce qui nous manquait dans les mines Kalstein. C'était aussi le temps de laisser à ces épisodes le temps de se dépiler. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas utilisé mon zinc. Les épisodes, les jours. Les jours qui nous manquaient pour Astrid. Les choses que Gustave nous demandait. D'ailleurs, j'ai pas du tout été voir. Gustave, mon cher Gustave, ton horloge. Des lingots d'or, des feuilles de cristal et des feuilles d'or rose. Rien que ça, mon cher Gustave. Normalement, je peux par contre faire l'amélioration. Non, parce que j'ai pas fait le minerai de zinc. Parce que c'est du minerai de zinc qu'il nous faut, je lui dis pas des lingots de zinc. Oups. Bah, je crois qu'on est effectivement bon pour déposer ça sur le dos de la tortue et... Et attendre un miracle. Tant pis pour moi, ça m'apprendra à pas lire. On va cuisiner des choses un petit peu épicées pour notre chère Beverly. Je vais aussi essayer de faire des petites nouilles. Pour Astrid. Ok, des bâtonnets de poisson également. Les nouilles. C'est comment les nouilles? Soupe aux nouilles, il faut juste de la farine de riz.
D'ailleurs, ça fait un bout de temps que j'ai pas été ramassé dans le verger. Ça se déplie tranquillement, mais sûrement, tout va bien. On est plutôt pas mal. Alors, on va faire quelque chose d'épicé pour notre cher ami Beverly. Et donc, on sait qu'on peut cuisiner un peu n'importe quoi avec... de la flamboyante. C'est un peu n'importe quoi. Tout ce qu'il nous propose est buvable. Immangeable. Donc par contre, pour notre cher ami Gustave, il va nous falloir de l'or. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. On a trouvé le dragon d'argent. Mais pas le dragon d'or. Il va falloir qu'on se débloque ça. On va gérer notre vache également. Elle a pas faim. J'en achèterai peut-être une deuxième finalement. Quand l'occasion se fera sentir. Parce qu'après tout, on sait qu'on peut faire un cellier. Qui va nous permettre d'utiliser justement tout ça. Planche de pain, feuille d'électrum, des choses qui nous demandent des choses un peu haut niveau pour nous. C'est ici ou c'était là? C'était là. La nuit est bientôt finie. Hop. Est-ce que je peux naviguer à tout hasard? Pas encore. Si, tout à fait. Je suis en train de me dire pas encore, mais si, si. De la loup-goubi. Alors, du blé, je peux mettre du blé avec du lait. C'est un peu le souci, je me souviens pas forcément de tout ce que j'ai fait et la cuisine ne nous dit pas quand on a une recette qu'on connaît. Je crois que je refasse de la canne à sucre. Que je la... qu'on casse. Alors, il a une nouvelle course. On peut vendre nos choses. On ne vend pas le permis bovin. On peut acheter ce qu'on vient de lui vendre. Des bouteilles vides. J'en ai combien des bouteilles vides? Je pense que j'en ai encore un paquet hein, des bouteilles vides. Déjà, j'en ai pas qui sont pleines là. Ah, je vais pouvoir lui vendre mon raté aussi. Voilà, je peux te vendre mon repas douteux. C'est parfait. Et au niveau des courses. Ouh. Alors je sais pas ce que c'est, ça, mouton menaçant.
Mais j'ai bien envie de tenter. Hein. On a tout ce qu'il faut. Au pire, on pourra en refaire hein, des fils de chaque. J'en prends. Mouton méchant, je prends. Allez. Alors si ça me donne un mouton, je vais devoir être obligé de faire un nouvel enclos à mouton. Mais tant pis. Je prends. Canne à sucre et blé pour avoir des graines d'ail. Je prends. Pommes de terre et blé pour des graines de tomates. Je prends. Donner mon seul saumon, c'est ok. Bah oui, du coup. Voilà. Ça me va. Une améthyste, j'ai pas forcément besoin. Alors quelque chose me dit que pulsar et la comète, ça va plus m'être utile. Là, on n'en parle pas. Je vais la garder, ma flamboyante. Alors ça, on n'en parle pas non plus. Hein. C'est vraiment cruel sous les ressources, donc on fait. Et il manquerait du fil de laine pour ça. Cela en vaut-il la peine? Je ne suis pas sûr. Un bol de céréales, parfait. Je crois que ça fait la 15e fois que je fais un bol de céréales. Du coup, on va aller rectifier notre bêtise de suite. En allant mettre du zinc sur le dos de la tortue. On va mettre tout notre zinc. Ça devrait nous permettre de réussir l'objectif la prochaine fois qu'on passera dans le coin. Le problème étant la prochaine fois qu'on passera dans le coin. J'ai pas sonné la cloche, c'est ça. J'ai pas sonné la cloche, donc ils sont pas sortis. Ah là là, grossière erreur. Et on va essayer aussi, du coup... Oui, bah oui, j'étais pas nourri. Tiens, t'as droit à des céréales. Parce que j'en ai trop. Sonner la cloche, c'est ça que je venais faire ici. Oups. Je suis désolée. J'ai été occupée. J'ai fait d'autres choses. Est-ce que je peux te nourrir? Oui, je peux te nourrir. Je t'ai fait. Où est-ce qu'elles sont? Là. Je t'ai fait une soupe aux nouilles. Oui. Et elle veut pas de câlin. C'est parfait, on y va, on met notre zinc. Notre zinc. Et de l'argent parce qu'on en a pas des masses. Elle me demande pas si j'ai fini celle-là. J'ai pourtant bien planté partout. J'ai bien planté partout. Alors, tu as faim, j'imagine. Non, pas de crustacés, on n'oublie pas ça. Les fruits de mer frits et on oublie. On va faire un câlin comme d'habitude. Et j'imagine qu'ils ont voilà, rien de plus à nous dire que aller au Mont Brunoir. Au Mont Brunoir dès qu'on aura. C'est dans quelle zone qu'il faut aller pour les ectoplasmes en bouteille? Je me demande
si aller par là, ça ferait pas le taf. J'ai vu passer Beverly, faut que je la nourrisse. Tulle aussi. Faut que je te fasse un poulet frit, c'est quoi déjà? Côtelettes de porc. Faut que je te fasse des côtelettes de porc. Dès que j'en aurai l'occasion. Je vais donc faire ça tout de suite. Côtelettes de porc. Alors, côtelettes de porc. C'est juste des côtelettes avec du porc. Hein. C'est... Il n'y a pas d'astuce. Je les vois pas. Poulet grillé. Côtelette de porc, c'est juste du porc. J'ai peut-être pas fait porc avec huile. Ok, bon, ça nous a amené nulle part. Et ça nous a pas déclenché ça. Où es-tu, ectoplasme en bouteille? Où es-tu? Bon, jusque là, de toute façon. Quitte à être ici. Il a un cadeau pour nous. C'est parfait. On descend, on descend, on descend et on descend. Un minerai d'aluminium, un homard, des bouteilles. Mais il y a l'air de rien avoir d'autre. C'est parfait. Enfin non, c'est pas parfait puisque du coup je retrouve plus comment débloquer justement le fameux pouvoir de Jacob. Là, c'est de la flamboyante, de la gelée scintillante. Il manque un coffre ici. La graine de flamboyante. Ouais, ces zones là il n'y a rien. On va aller voir Suzanne, on va repasser le temps après tout. Voilà, on voulait des côtelettes de porc. Et je voulais faire des côtelettes de porc avec de l'huile. Porc grillé, qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai fait des sushis. T'as fait des sushis? Non, non, mais reviens, je veux voir tes sushis là, moi. Des sushis? Comment je fais des sushis, moi? Moi aussi, je veux des sushis. Donne-en aux autres, ils vont adorer. Je veux bien te croire. Ah, il faut peut-être du thon pour faire ces soucis. Vu que j'arrive jamais à attraper le thon. Et que quand j'en ai, je le donne à Francis. Du coup, ça n'a effectivement rien débloqué. C'est pas grave, hein. Ça fait des petits épisodes un peu tranquilles, ça change un peu.
Et puis comme ça, vous voyez un peu galérer, vous voyez que c'est fait des parties des choses que... On arrive dans les zones où j'ai pas déjà joué, donc où je me souviens pas. Ce qu'il faut faire... Alors... On n'a pas ce qu'il faut pour la tenue de pirate. Voilà, c'est là, c'est les plats. Encore plus d'assiettes. C'est incroyable. La nouvelle spirit fereur ne cessera pas de m'épater. Et elle se fie toujours sur cette lanternelle. Quelle vie tu dois avoir. Donc on a une tenue. Je pense que c'est à peu près tout. C'est ça, c'est à peu près tout. Donc il me manque ici des choses. Je pense que quand on aura l'or, on sera un peu mieux. J'ai quand même... Allez voir s'il n'y a pas moyen d'interagir avec le fameux Jacob, mais normalement... Normalement, c'est pas l'idée. Mais c'est pas grave, on va aller à... Hall Central District. Et c'est vrai que j'avais aussi des choses ici. Alors, Furugawa... Kate South Point et... Ok, North Sea. Ok, Nord, c'est juste là. On va y aller. De la purée de pommes de terre. Ah, de la purée. Ah bah oui, c'est vrai qu'on n'a pas essayé de faire de la purée. Alors, quelque chose me dit que les bonbons, ça va le faire. La danse des desserts! Je la fais quand je suis heureux! Je vais manger ce lait délicieux de dessert en premier! C'est l'heure du dessert! Si, bon. Et du coup, Jacob, je peux interagir. Ah! Je peux interagir avec lui directement comme ça! Je peux sortir? Oui, laissez-moi sortir! Ça, c'est mon Jacob. Ok, moi je suis là. Et eux, ils sont là. Ok. C'est. Il me perturbe ce Jacob. Oh. C'était vente de folie. Ah, c'est cool. Ok, c'est un event que je peux lancer comme ça. Ça change. As-tu vu ça? Oui, j'ai vu ça, mais t'es juste devant la porte. Elles étaient partout. Maintenant qu'elles sont parties, je peux maintenant respirer. Ces ombres de poussière sont quand même cool. Elles brillent, elles courent vite. Vraiment vite. Je brille pas. Je peux pas courir vite. Mais j'aimerais ça. Un jour peut-être. T'inquiète pas, grand chapeau. Si jamais les ombres de poussière reviennent, je vais te le dire tout de suite. Et si tu veux t'en débarrasser, va toucher la vitre dans ma chambre pour réveiller Jacob. Ok. Il suffit d'attendre qu'ils nous disent qu'il y en a et on pourra les chasser. Aussi simple que ça. Ça, il en fout 10. Voilà. Personne n'aime le céleri. On n'a rien vu. Du coup, on est arrivé à North Sea. Et on n'a pas essayé de faire de la purée avec des patates. Patates. La
bonne nouvelle également, c'est que du coup, j'ai pas vu combien on avait d'ectoplasmes en bouteille, mais on va regarder pas ici, là. On va pouvoir faire le cadre chez Atul. Ici, il nous manque du tissu de laine. On va pouvoir peut-être pouvoir faire le cellier aussi. Il faut du tissu de laine, il faut du tissu de lin. Je vais faire ça. Fil de laine. La laine, on se pose même pas de questions. On en a à foison. Je pourrais passer un épisode entier rien qu'à tisser tout ce qu'on a là. En faire un peu plus, mais l'idée c'est vraiment pas de passer les épisodes à faire ça, c'est d'avoir un peu de stock, surtout que ça monte vite, donc bon, j'arrive un peu moins bien à faire. Oui, j'ai bugué là, j'ai du poireau, du minerai de cuivre qui vient d'apparaître. Je sais pourquoi, mais n'empêche que ça me perturbe. Parce qu'on n'a pas encore eu la requête qui va avec. Donc là, c'est bon. Minerai de zinc. C'était quoi qu'il me fallait? Amélioration du poulailler, ça sera bon. Fallait que de la laine? Non, fallait autre chose. Tissu de coton. Planche de... Il me semblait avoir vu qu'il fallait autre chose. C'est pas grave. J'entends ma cuisine qui me dit que c'est prêt. A-t-on réussi à faire de la purée? Il faut peut-être mettre un peu plus que une patate. Alors moi, j'aime bien un petit peu de lait, un petit peu de crème. Dans ma purée. Il faut peut-être de la farine, hein. Après, donc on a dit qu'on pouvait améliorer chez Atul. Voilà. Ceci est fait. On a dit qu'on pouvait améliorer le poulailler. Voilà. Ceci est fait. Je crois qu'on peut pas améliorer chez Beverly, qui est pas mal de petites maisons. Non, il me manque encore un tout petit chouille, vraiment pas grand chose. Pour le coup, ça aurait pu le faire, mais ça le fait pas. Il m'en manque deux. C'est plutôt placement en bouteille. Mais du coup, on est quand même vraiment pas mal. On va pouvoir envisager l'amélioration du bateau. Lin, ectoplasme en bouteille, il me manque. Ah oui, ah, c'est ça. Il manque du tissu de lin pour faire le cellier, c'est ça. Mais du coup, il me manque aussi de l'ectoplasme en bouteille. On en revient au même. On va aller voir Larry. Ok, Norte. Oh! Bon, qui as-tu choisi? C'est merveilleux! Ingrid est toute tarnée, même si elle le cache. Ses yeux, ce visage, elle est parfaite pour ça. Tu as relevé le défi? Tu es une superbe directrice du casting de dernière minute. Mon habitué devrait aller en lune de miel plus souvent. Bon, c'est quand même sa troisième en 6 ans. Cette ville, les choses vont vite. Mais revenons à notre film. Je n'arrive toujours pas à trouver ni réalisateur ni scénariste. Tout le monde est déjà occupé. Les gens ont peur de la place que prendra ce film dans l'industrie. Je devrais en garder l'esprit encore vivant un peu plus longtemps. Je t'appellerai si on arrive un jour à sortir ce projet de l'enfer de son développement. En attendant, tu sais ce qu'on dit des acteurs? Que c'est du bétail. C'est quelqu'un que je connais qui dit ça. Tu seras la première à viser, madame. Et n'oublie pas,
Tu as le visage d'une star. Une star, je te le dis. On a amélioré l'amélioration de la stalavache. En ayant fait ça avec Larry. Ce qui est plutôt cool. Il me semble qu'on avait tout fait. Hein. Qu'on était allé jusqu'en haut. Hop. Il manque un tout petit peu d'élan. Et qu'on avait cette chose là qu'on ne savait pas à quoi elle servait. Mais en tout cas... on avait géré tout ça. Il me semble qu'on était allé de ce côté-là aussi. Oh, c'est loin, j'aurais dû la prendre en fait. Plus ça remonte. Oui, c'est ça, le coffre est vide. On a bien pris tout ça. Tout va bien. Voilà. Ce qui clôt notre épisode. Je pense que je vais tranquillement finir la nuit en off, comme d'habitude. On a vu qu'il nous fallait du fil de lin. Ah bah non, du coup, je vais pas finir la nuit en off. On se retrouvera, eh bien, demain matin pour cet épisode. Allez, petite gourmandise, a-t-on réussi à faire de la purée ? Non, je n'ai fait que des frites. Il va me falloir un peu plus d'ingéniosité pour faire de la purée. Si tant est qu'on puisse faire de la purée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!